Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la plateforme Léonard Choa. Aujourd'hui, là, nous avons une vidéo qui est nettement différente pour les gens qui toujours demandé une belle bagaille dans le pays Mexique. Mais, je vais vous montrer nos zones. Aujourd'hui, là, je vais trouver la Reforma. Ok? La Reforma et Cautepec, si je ne me trompe pas. Jusqu'à présent, nous avons dit Jean Bizarre, nous allons excuser. Et je vais faire une interview avec un jeune entrepreneur qui décide de s'établir dans le pays Mexique, dans l'édifice, ça, ok? Dans le gratte-ciel, ça. C'est là que je vais monter pour faire une interview. Alors, merci d'être branché Léonard Choa, restez connecté. Et je pense que dans le dialogue que je vais avoir avec jeune garçon, ça, nous allons venir en pile détail. Parce que je suis sorti Haïti, de Haïti, la République Dominicaine, il fait temps vivre, étudier tout ça. De République Dominicaine, il est venu ici dans le pays Mexique. Et je travaille dans le domaine online, marketing, site web et latrier. Je pense que je vais avoir plus de détails. Et puis tout, restez connecté pour que nous soyons capables d'enjoy. Interview ça. Ma faut te montrer nous. Moi j'aime faire vidéo spécialement les sorti dans interview pour me montrer nous zone là parce que gen moun ki toujours a mandé me Léonard montrer nous côté qui belle dans Mexique malgré les publier côté qui belle yo c'est pas vidéo ça qui intéresse moun yo mais quand même n'a fait travail là de façon complète. Et je dis à nous trouver nous dans avenir dans la Reforma. Alors restez connecté pas oublier ça c'est Léonard Choa. Si toutefois vous pouvez suivre moi faire ça quittez un commentaire et puis tout pas oublier partager vidéo là. Restez connectés, nous allons tourner dans quelques secondes. Bon, moi j'ai arrivé là à côté des amis. Hein? Pour monter là, mes amis, c'est un cadre d'accès au bas où pour gagner accès à l'ascenseur. Malheureusement, je n'ai pas été filmé dans l'ascenseur, mais moi arrivé là. Ensemble avec Mr. Gessly qui est en présent là, Captain Mouin là. Yo, yo bro, ça va fait, man. Mon cher, merci pour l'invitation, man. Yo. Monsieur, c'est Fouem, nous là déjà. En forme, en forme. Alors, bon, faut te montrer mon new view là, man. Ok? Je dis à là, on a montré nous un Mexique qui est nettement différent. Voilà. Et nous avons Torre Reforma. Ok? Gessly parle de nous plus détails de comment ça est là. Et puis, non, tu t'en penses que nous allons aller là, ok? Voilà, je vais te promettre nous, moi j'ai Gessly avec moi. Et Gessly qui n'a pas plaisant. Bon, non, on plaît. Excusez-moi, vous nous en mettez, mais tout à fait. Par exemple, il faut qu'il soit non complet. Tout à fait. Non, non, on plaît, c'est qui est Gessly, mais il y a quelqu'un qui est Gessly d'Ossine, parce que là, j'ai écrit non, bon, j'ai mis l'accent, parce que j'ai écrit non en majuscule. Gessly d'Ossine, Gessly d'Ossine, c'est bon, en fait. Ok, il y a un premier bagage que je vais demander, c'est bon, mieux tout. Qui côté ni là exactement? Bon, là, directement, nous, au Mexique. Nous, au Mexique, exactement, dans Reforma. Reforma, c'est un, comme on m'a dit, c'est une grosse zone, ouais, somme d'eau. Là, on a besoin d'un paquet d'institutions qui est là. OK, bon, on va le citer parce qu'on va faire publicité pour ça. Là, c'est un co-working. OK? Puisque moi, je fais business online, moi, j'ai un business qui est enregistré normal. Pour que moi, séparer vie personnellement avec vie professionnellement, moi, utiliser une adresse, non bureau, eh ben c'est exactement là. Bon, à force que moi utiliser adresse pour business moi, eh bien, il y a bonne opportunité que me venir là, que ce soit utiliser salle réunion, un tas de choses. Ça veut dire moi j'ai possibilité me venir là deux fois par semaine. Ça OK. Alors qui tout inclus dans package là. Alors okay, c'est ça. OK, co-working là, c'est ensemble des bureaux. Il y a tout à fait, ça veut dire tout ça et autant que venir là, moi venir là au travail, gère tout mon travail là, et suite ensuite. Okay. Tu vois, il y a voilà. Eh bien, bon, nous montrons, montrez-nous l'espace yeah, là. Tout à fait. Bon, parce et... que ça, c'est l'autre bureau de l'autre... OK, parce que ça, c'est bureau de l'autre institution qui l'a tout. OK, okay malheureusement, c'est des gens qui pas pris. Espace ça, on ferme. Oui, yeah, espace ça, on ferme. Et tout payé par moi et puis tout capable yeah, de tout à fait. Ça veut dire, non, yo même, c'est des bureaux, yo pas dans le même style ensemble avec moi. Moi, utilisé seulement l'adresse là, mais yo même, yo utilisé bureau normalement. Est-ce qu'on comprend exemple d'eau? Mais moi-même, tout, moi, dès que je recevoir un monde dans nos kiosques ou même, je suis capable de recevoir là sans aucun problème, vous comprenez? Ça veut dire que je dois ça, mais sauf que je ne pas venir là chaque jour. Et puis tout type de business que je fais, il n'est pas important pour mon bureau chaque jour. Mais là, vous avez un compte ensemble avec vous? Oui, vous avez un compte avec un monde, quelque part. Client qui a le compte? Exactement. Oui, tout à fait. Tant que tout là-haut, c'est des monde qui travaillent, vous comprenez? C'est des bureaux. Ça, c'est des bureaux qui travaillent. Oui, tout à fait. Là, si fait tout. OK. Alors, capable d'utiliser l'adresse ça. Il est capable d'utiliser l'adresse ça comme adresse non, sans aucun problème. Ah, OK. Comprendre. So,
Yeah. Voilà. Et c'est ça, adresse business. Ou son... quartier là, ou bien toi, les relais. Torre. Torre Reforma. Torre Reforma, exactement. Torre Reforma. Ok, là, c'est Vénin Yogi, utiliser tout. Ah, voilà. Question internet, tout ça. Ok. Alors, mais c'est juste ça. Pour être capable de jouer l'espace ça, ou même pour utiliser dans ton business, ou est-ce que ça t'est difficile, vraiment? Bon, en réalité, le type de business que je fais, je me toujours chercher un tas de bagages, ça veut dire que c'est des suggestions que je me toujours joindre. Plus que je fais business online, mais c'est coach business, accompagné de trois monde qui sont fait business. Non sans ça, ou après, il y a aussi des monde qui ont parlé ensemble avec eux, on a toujours partagé des idées, tout ça. Est-ce que c'est difficile entre oui ou non, vous comprenez? Oui. Yeah, tout à fait. D'accord, c'est alors, c'est... Je pense que PD vont parler plus de détails de ça qu'on fait comme professionnel. Yeah, tout à fait. Alors, ça, c'est d'autres. Ok, là, c'est ça le réunion parce que donc, à fond, en train dedans. Yeah, ça, à un moment, depuis ouvrir. Non, c'est l'autre bord. Ok. Ok, ça, c'est l'autre bureau toujours. En fait, sans aucun problème, tu vois. Sans problème. Alors, même c'est là que vous prenez rendez-vous, car vous venez deux fois par semaine. Oui, venez deux fois par semaine, là, l'équipe qui rencontre exactement avec moi. Mais est-ce que, par exemple, payer un bureau dans l'espace, ça, les chers en pile, ou bien, un bon exemple là, vous n'avez pas gagné un bureau exactement pour venir travailler chaque jour, mais on gagne accès deux fois par semaine, et puis vous payez par mois. Est-ce qu'il est cher en pile? Bon, pour bureau, ça, là, sincèrement, il y a gagné prix sur vous. Il est cher, mais dans le style que moi utilisé, sincèrement, qui passe pas trop. entre ça qui est cher pour moi, il dit ah, cher pour vous, ça qui pas cher pour vous, l'autre comprend. C'est dit vice versa. Ok. C'est intéressant. Ah, mais, ah, c'est tout à fait là, c'est réception. En vrai, c'est réception. Exactement. Ok. Mais, pour favor, pouvez-vous savoir à qui. Pardon, ah. Ok. Voilà, ça c'est différent à Sancerre. Oui, c'est exactement, ça parle de pas. Ok, là, pour tout filmer. Numéro 14 là. Tout à fait. Ok, amigo, ¿puedes saludar a los italianos sin problema? Sí, claro. Aquí. Ah, ok, él es empleado de acá. Sí, sin problema. Ok. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien. Ajá. So, Leonardo, là, c'est okay. Salle réunion, c'est dit, là, moi, utiliser ça. Moi, quand on va utiliser ça pendant 8 heures de temps par mois, c'est dit, lié avec lui dans le package. Reprendre, ça, parce que ça, c'est. Bon. En vrai, moi, pas bon équipe pour faire réunion et un tas de choses tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est simple, donc on peut utiliser ça seulement. Alors, c'est style business, comme si on a fait business sans cravate. Alors, c'est un peu ça. Yeah, sans cravate. On fait business, c'est juste pour montrer que c'est comme ça. Alors. Oui. Mes amis, bon, montrez-nous l'espace là, bien, vous, donc, à bien, tout à fait, c'est ça le réunion. C'est nettement différent. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. Yeah. Ok, après ça, montrez-nous l'autre espace là. Par exemple, vous avez un tableau ça là. Oui, alors, tout à fait. En fait, là, c'est une salle de réunion. Ça me dit, comment salle de Honda. Salle de Honda. Ici, exactement. Okay. Alors, quand on a utilisé ça, si toutefois on a fait une réunion avec une équipe, tout ça, on dit, moi, je me dis que je viens avec l'équipe, moi, là, je viens faire une réunion sans aucun problème. Et même, il y a un système de caméras. Oui, tout à fait. Tout façon virtuelle. Tout tableau, exactement. Ça, c'est vraiment simple. Ok, comme bonjour. Mais salle ça c'est pas des salles que m'utiliser qui ça vrai parce que oui, parce que même. Pas une équipe, moi même c'est moi qui business, c'est moi qui fais tout bar sans problème, comprends. Okay. Alors c'est ça. Tout espace ça. Bon, c'est ça, c'est en deuxième salle encore. En fait, et ça sera en deuxième salle rencontre encore. Et oui, vraiment. Franchement, ça me partie ça en plus. Franchement, bon, salle ça et ça bon, on pas utiliser ça du tout. Et tant que l'autre là que on pas utiliser tout parce que on pas une équipe, comprends ça me dos. Alors, c'est un peu ça, Léonard Show. OK? OK. Voilà. Bon, c'est ça, c'est ça. Salsa le... vraiment, plus classique toujours. Il y a tout à fait, tout à fait. Ça veut dire si on a besoin de louer salsa tout. Son système technologie. Alors, si on a besoin de faire une réunion. Une réunion là. On a quand même fait la part. Si on a... Exactement, si on a besoin de faire une réunion là, on a fait la part. Mais franchement, bon, ça parle de port. Alors, il n'y a pas, prix a pas tellement. Ah, je ne sais pas pourquoi exagérer que ça. OK? Okay. Et puis, Léonard, bon, dès que nous là, nous avons possibilité, tout avons accès à tout, les que là, café illimité, tout, alors nous avons accès avec la net. Tout illimité. Toute la net. Sauf que, ça fait cafétéria. Sauf que là, c'est un espace côté que nous, qui payant, ok? Espace à payant, ça veut dire tout soit utilisé dans la partie ça, il est payant. Mais cependant là, et, ben, c'est que,
pendant nous là nous avons profité bon moi même c'est ça que me blesse mais on va mettre ça ça sont des tisanes qu'on va me passer comme gardien sont tisanes on sort des thés exactement on sort des thés alors c'est lui même ou même moi préférer ça c'est le que me vient là mais profiter faire un petit thé on passe qu'un café en boule on a sans aucun problème m'a fait mettre ça pour la santé on passe qu'on mettre juste dit ce qui est bon par contre soit prend même avec moi non comment soit prend même avec moi plus que tout ça c'est toujours ah OK gagner thé vert tout ça ça parle de thé vert OK en espagnol chabacano Blue Eyes, bon, par contre, on est, bah, c'est une balle. Non, moi, c'est bon, un pour ça. Bon, mais c'est pour là. Pour même. C'est bon goût, la bon goût. Il y a même couleur. Ok, mes amis, nous dans le pays Mexique. Je dis à la nappe, montre une vidéo nettement différente. Nous avons un jeune homme qui c'est un. Comment on peut définir comme professionnel exactement? Bon, moi, je suis un web entrepreneur, ça veut dire. Web entrepreneur. Il y a un fait business online, ça fait près de 4 ans. Depuis, c'est ça que je fais. Et en fait, dans la République dominicaine, c'était ça. Une bignée au Mexique, c'est toujours continuer même bas là. Ça veut dire, pas grand échangé, c'est toujours même nous-mêmes. Intéressant. On continue avec Théa. Oui, on a fait Théa parce que, tout à fait. Un dialogue qui pipe au fond pour nous connaître qui est sous. Oui, tout à fait. Parce que, m'a fait Théa, vous voulez qu'on lance, mettez de l'eau. OK. Bon, parce que j'ai café tout. Mais c'est pas. Oh, ouais, tout à fait. Là, on met de l'eau chaude. Habitué au café déjà, là, pour un Théa. Oui, tout à fait. Là, c'est une machine qui baille différents types de café, tout. Yeah, ça a des cappuccino, des tout bagaille. Okay. Espresso, americano. Yeah, tout à fait. Café à clète, mais café au lait. Voilà, mes côtés green café. Là, c'est une machine dans tout fait tout process là net. Tout à fait. Café tout bagaille net. Intéressant. Ça, on peut donner ça là. On a juste mettre au fond petit poser, peut-être pour deux minutes, et puis après. On a juste mis des fonds posés pour deux minutes comme ça. Minutes. Et après, ça, on a juste pour une tasse. Est-ce qu'on comprend ça? L'année c'est avec tasse là. Voilà. C'est justement ça. En fait, son bureau, c'est un groupe de cadeaux. C'est un groupe de cadeaux. OK? C'est un groupe de cadeaux. Alors, il y a différentes bagages là. Si nous besoin d'utiliser, c'est glace, tout ça. OK, ça, c'est une machine qui fait glace. C'est une machine qui fait glace, exactement. Intéressant. Hein? So, ça, on a juste. On a juste quitté le faire en 2-3 minutes, et puis après, boum, et puis nous guettons. Aussi simple que ça. C'est pas rien, alors. Ok, en attendant, on a le Fotichita. Non, nous capons. Non. Oh, bon. Pour nous commencer. Oh, c'est tout à fait. Pour nous commencer, et puis après, on a proposé pour nous donner une. Tout à fait. Théa, okay? Tout à fait. Voilà. Alors, même espace que tu travailles là, même, c'est qui côté? C'est là. Bon. Là. En fait, non coworking, pas grand espace comme si. Quand on travaille directement fixe, ça existe. Je dis, je viens de Chita là, demain je viens de Chita là, c'est un coup, je viens de Chita là, tout, sans aucun problème, on comprend ça de là, ça existe. Ça, son chaise d'eau, dans le sens, ça arrive de venir de Chita là, tout, sans aucun problème, mais ça, et est-ce que je viens de Chita là avec mon ordinateur, bon, parce que là, c'est Chita. Non. Dans le moment où je me propose, je dis, on pose 15 minutes et je suis là. Utiliser ce yeah, tout, alors tout espace qui ça, je vais regarder là, par exemple, si je ne me trompe pas, c'est des. Ça, c'est un type de. Genre, c'est un type de jeu, exactement. Jeu, ok. Mais espace ça là, c'est. Ça, c'est pour charger. Pour charger. Ok, accès internet, pour charger tout ça. Charge. Yeah, tout à fait. Ok. Alors, c'est un type immobilier, tout ça. C'est de l'immobilier, quand même. Ok. Ouais. Alors là, c'est. Alors là, je dis à lancer là. Moi, je suis là. Moi, relax, moi, on est là. Et puis, moi, j'ai discuté dans le travail. Bon, alors. Puisque je connais ta ville là, et puis. On est juste relax. OK. Et bien d'accord, et restez connectés, nous allons passer dans la phase que nous allons commencer à dialoguer exactement de qui est-ce qui Gessli et puis de qui activité il fait. Tout et pour qui raison je dis à la nous présents dans Torre Reforma pour que nous capable faire une interview avec citoyens. C'est un plaisir. Je veux dire, je suis capable de gagner sur la plateforme Léona Choa. Et je pense que tout le monde qui a regardé là, tout content. Parce que je veux dire, on a montré un bagage nettement différent à la vidéo qu'il me fait déjà. Tout à fait. Et dans le pays Mexique. Tout à fait. C'est qui est-ce Gessli? Bon, Gessli, c'est. J'aime dire ça presque, d'a dit presque tout à l'heure là.
Gessé, c'est un coach business, ça veut dire moins. Gessé, c'est un web entrepreneur. OK? Nous accompagnons pas mal de monde dans la question de lancer propre business sur Internet. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde. OK? Alors, moi-même, quel type de business que je fais sur Internet? Grand pile business sur Internet. Mais quand je commence, c'est avec dropshipping. Dropshipping, c'est le fait que je vends des produits qui n'ont pas gagné stock vraiment. Qu'on a là, aujourd'hui, à part de faire dropshipping, qu'on a moins plus le focus sur créer des business qui capable de prendre valeur non titan. Vous comprenez? C'est ça que fait aujourd'hui, presque. Nous, presque, camper sur un tas de business qui nous lancé, on dit, ils vendent produits en Chine, tout ça. Qu'on a là, on a lancé des applications. Pour le moment, bah, c'est dans 2 mois encore. Bon, c'est pas fini tous 2 mois, non? Mais dites 2 mois. Mais ça qui arrivé avant 2 mois, mais une application qui a sorti là. Bon, que ne va pas tout le détail, bien entendu. Parce que l'idée pour qu'on sorti, bah, envie de parler trop de ça, tout, comprenez? Ok, allons aller à la base. Mais c'est qui qu'on sorti à Haïti? Bon, et même si Nego Cap, bien que Guillaume Pilmou qui a commencé à regarder des vidéos à la carte, dit non, même si pas Guillaume au Cap, tout ça. Mais c'est Nego Cap, je fais au Cap. Et après, je suis entré en République Dominicaine. C'est en l'âge de 22-23 ans. Et pas le faire à l'université. Parce que, tant que tout. C'est pas tout. Tant que la majorité de jeunes haïtiens fait études classiques en Haïti. Et puis, entre en République Dominicaine pour études qui puissent avancer. Alors moi, c'était ça, c'était même pas pour ça pour moi et tout. Donc, mais depuis le métier en Haïti, c'était toujours qu'on a lancé business. C'était toujours qu'on a lancé business et tout. Parce que si je me souviens de 2014, moins... Non, pas fin 2014, c'est 2011, moi lancé un business. Bon, bien que c'est pas un business qui était rentable que ça, mais c'est un business quand même. Qui ben moins un paquet de capacités, une question informatique. Puisque moi, j'étais contre travailler avec un CD de l'école pour nous faire 4 digitaliser pour tout ça. Et bien, c'est ça, deux jours qui viennent faire que moi, foncer dans la question de faire business en ligne. Et puis, mais non, je veux dire. Ok, est-ce que business en ligne, ou tu es déjà une passion depuis Haïti et comment tu fais arriver, faire connaissance avec business en ligne? Ah, ouais. Mon cher, c'est encore un peu le monde comme si ou sur Internet, ou à scroller et puis vous entendez un CD, on a parlé de business en ligne. Et puis ça qui arrive, boum, et on déclic, et puis on dit, ouais, bon, essayez de garder ça. Moi-même, ça arrive, c'était pendant ma République Dominicaine. Je dis, ah bon, ok, c'est bon, je suis trop intéressé sur lui, puisque je voulais trop entrer tête dans la question en ligne, malgré que je suis en République Dominicaine. Je suis ingénieur système informatique, mais je dis, ah non, je ne vais pas courir trop. Après, mon petit frère qui vient de l'île, je me dis, yo, mais ça gagne, et puis je ne suis pas là avec, et puis je dis, bon, non avancé et puis c'est comme ça. Bon, malheureusement, petit frère, non, je dis à monsieur vraiment pas parler le débat et ça, parce que ça pas intéressé. Et moi-même, moi, juste, j'étais focus et puis, non, je dis à, dans le moment-là, parler là, presque environ près de 4 ans à 5 ans, moi, j'ai dépisté, ça m'a fait directement. Comprends? Mais est-ce que c'est ça que tu étudies en République Dominicaine? Bon, en République Dominicaine, malheureusement, bon, malheureusement et heureusement pour moi, tout que je n'ai pas fini dans l'université, et plus que tu as un paquet. Problème en République Dominicaine, qui moi-même, bon, je n'ai vraiment pas envie de tourner sur eux. Moi, j'ai étudié ingénieur système informatique. Lorsque je viens faire business en ligne, je viens voir ça tellement intéressant. Je me dis, waouh, faire business en ligne, pas vraiment besoin de compétences dans la question informatique, vrai, mais c'est plus une compétence dans le marketing. Eh bien, après 2 ans d'études, je me suis changé pour m'aller étudier sciences marketing en République Dominicaine. Bon, malheureusement, c'est comme des raisons de faire deux ans en chaque et je ne vais pas finir. Bon, je ne veux pas penser ça, libre légitimité quand même pour que je me présente en tant qu'un web entrepreneur, puisque j'ai une bonne compétence dans l'informatique et plus j'ai une bonne compétence encore dans la vente. Et puis ça vient faire que de base, c'est eux-mêmes qui font business en ligne. Bon, bien que l'informatique n'a pas tout ça. Parce que dès qu'un monde a un sens, ou capable de naviguer sur Google, Chrome, ou du moins Mozilla, des navigateurs, c'est possible pour faire business en ligne. Il suffit que celle soit pas le manquer, ou juste manquer pour connaître comment pour qu'on vende. Aussi simple que ça. Est-ce que business en ligne est vraiment rentable? Ah ouais, tout à fait. Mais ça parle de pan. T'as coup, si je montre là, si je montre dans le téléphone, moi là, et. Ok. En parlant, si on va poser caméra, par exemple, ça, c'est un site internet que nous avons là, un exemple, Jodia, qui déjà vraiment, en parlant, qui déjà vraiment dans $700. Franchement, je ne veux pas non apparaître, je vais éviter de non apparaître. Voilà, on a vu là.
environ $700. $700. Yeah, $700, nous avons visité qui online, mais ça, son site internet que nous lançons de manière organique, mais son service qui est vendu. Et si malé. Excusez-moi, je dis à la seulement. C'est yeah, je dis à $700. Je dis à $700. Est-ce que c'est dans monétisation ou dis-moi son produit qui est vendu sur ce site-là? Ouais, son service qui est vendu sur lui, son service qui sous forme abonnement. Okay. C'est ça qui fait que moi-même, je préfère faire des business. Qui prend valeur sur le long terme, au lieu de faire un business, comme si ma mal prend produit en Chine, voye by moun l'autre côté, tout ça. Pour moi, l'air que au commencer en dropshipping, c'est vrai, mais après, faut que vous calculez parce que pas qu'arrêter chaque jour, lancer business. Pour moi, ça pas intéressant. Vous comprenez? Un bon exemple que là, nous gagnons $700. Si moi fais, exactement 30 jours derniers, là, on est combien ouais, dans 30 jours derniers? Moi, environ 13 300 et quelques dollars. Voilà. Yeah, tout à fait. Ça, c'est 13 300 dollars. On dit que je vais tourner sur 90 jours. C'est un site internet qui, si je suis sur 90 jours. Mais si ça, c'est pour vous-même lié? Tout à fait. Si je suis sur 90 jours, okay. Environ 3 mois. Yeah. Là, okay. Alors, pour moi, c'est un peu ça. C'est ça qui fait que je pense que l'IR était plus bon pour faire business comme ça. Okay. Que... Pour business, on l'a eu déjà qu'on est un peu les jeunes qui intéressés là. Tout mais en nous font tourner à la base. Qui a né ou sorti Haïti pour entrer en République Dominicaine? 2017, moi entre en République Dominicaine. 2017. Et pour que ça commence quand j'ai petit pays à te, qui c'est que t'es cause ou t'es quitté? Est-ce que c'est seulement études là? Notre difficulté qui t'es cause ou t'es quitté Haïti pour entrer en République Dominicaine? Non, pas de aucune difficulté. Au contraire, sincèrement, des fois, je parle avec des amis, ils me disent, mais je dois entrer. Comme mon partenaire, mon ami, c'est bon, nous close en pile. Je me suis toujours dit, yo, c'est plus mauvais choix fait, aller en République Dominicaine. En République Dominicaine, dans le groupe, tu as étudié? Yeah, parce que, pour qui raison? C'est parce que moi, je suis en poulaille et que je suis. Parce que, pas oublier, je me suis toujours fait business. Je suis en poulaille en Haïti, côté que, quitter gay, c'est parce que je suis en 3500 poules, fait poulet déchets. Ça veut dire, imaginons, 3500 poules, admettre que nous faisons $10 sur chaque poule, chaque 45 jours, quand même, son bon cash flow. Et son rembourse d'amdo. Alors, nous n'avons pas de inconvénients pour nous faire business à l'époque là. Non, mais même si j'ai un business, mais normalement, le business a fonctionné. Ça veut dire que si j'ai rentré en République Dominicaine, je vais quitter les amis, je vais gérer tout le bail pour moi. Ok, c'est monsieur, et puis monsieur toujours dit mieux. Il y a des bagages, mais ça. Mais c'est toujours là. Non, malheureusement, c'est ça. Et c'est ça qui fait que je pense pour moi, des fois, je réfléchis, je me dis que la République Dominicaine, c'est mon côté que je ne dois aller du tout. Rembourse. Mais quand même, c'est des bails qui font partie de la vie. Vous obligé d'accepter et vous dites, bon, ok, ça qui arrive en raison ou pour l'autre, vous avez pensé pour l'AIA. Bon, est-ce que pour l'AIA, vous n'avez pas de marché? Je ne sais pas parce que vous avez une bonne stratégie, vous avez écoulé pas mal de poules. Est-ce que vous comprenez? Parce que, yeah, c'est ça. Voilà. Et, faut-il résumer l'expérience de Dominicaine avec nous? Comment ça a été vraiment? Dans un pays côté nous connaît toutes les discriminations, oui, même dans l'université, faut-il expliquer nous comment ça a été? Même? Bon, République Dominicaine, Fomzo, moi-même, qui sais des bails haïtiens subis là-bas, je n'ai pas subi vraiment. T'as coup, je me croise beaucoup avec l'immigration. Comme si vous me dites, immigration qui est bim, ou bien poser une question, bah, ouais, passeport, je me croise beaucoup, je me fais ça, en 6 ans que je me fais là-bas. Vous comprenez? Et, bon, heureusement pour moi, est-ce que je me fais 2 ans? Je me fais 2 ans, bah, j'aime bien visa, tout, oui. Je me fais 2 ans, bah, j'aime bien visa, mais à l'époque, je me machine, moi, vite teinté, tout ça. C'était bon, je pensais que c'était un système de bluff, d'après moi-même. Mais après, je devine permis étudiant normalement, jusqu'à présent, qui est toujours avec moi ici. Mais après, je pensais que la République Dominicaine, je n'ai pas trop envie de parler de lui. Parce que, forme de sincère, ça arrivait une fois, je parle avec un ami, je me dis, est-ce que j'ai l'impression que la République Dominicaine volait jeunesse moi? Mais bon. On pense que je vais la vie, parce que je n'ai vraiment pas envie de parler. Parce que l'été en mai, c'est pas un bon exemple. Il y a des haïtiens qui ont la marche à pied, tout ça. Moi-même, c'est mon machine qui, comme tu as dit, qui qualifie son bon monde, tout ça, $300, non? Ou à vivre une bonne vie. Donc, au Mexique, là, que je vais utiliser la machine. Moi, juste, je vais scooter, juste charger chaque soir, je vais dormir. Et puis, je me lever le matin, je vais dans le gym, et puis, je vais scooter, je vais sortir. Ça veut dire, en République Dominicaine, j'ai eu une machine pendant ce temps-là, j'ai juste un scooter, j'ai très cool. Robin Zamdola, je n'ai pas eu aucun problème. Ok. Mais... Sortir République Dominicaine, excusez-moi. Sortir République Dominicaine, arriver au Mexique. Ok. Et combien de temps tu es au Mexique là? Bon, au Mexique, c'est 1 an avec quelques mois. 1 an, quelques mois, ou bien tout le temps là? Tout à fait. Ok. Comment tu es arrivé ici, même?
Bon, arrivé au Mexique, moi je pense que c'était un plus gros cadeau me fait être moi. Si dit arrivé quitter la République dominicaine, plus gros cadeau. OK? Comment c'est que plan c'est depuis 2 ans passé, si me tourner 2 ans en arrière, je me dis qu'est punaise, faut quitter ici, faut quitter la République dominicaine parce que pas rien qui a fonctionné là pour. Comprends-moi ce m'était même comme si m'était radio, m'était malade mal caï docteur tout ça fait toute analyse pour moi. Et puis, je dis, je suis psychologue pour moi. Je me demande qui ça m'a pensé, je me disais, quand on sait tout ça, je me disais, ah non, mais punaise, il faut quitter la République dominicaine parce que là, pas gagné qu'un an qu'a fait. Bon, permis étudiant qui me dégaine, presque fini, d'abord fini 2 mois. Si je laisse vraiment me lever, je me dis, il faut que je me quitte. Après ça, je me suis fait tout arrangement pour montrer au Brésil. Parce que même, ça qui est plus important pour moi, tout, c'est arriver dans un pays où je suis capable de résider sans aucun problème, pour me déplacer, j'en veux. Pour moi, c'était en Amérique là, côté qui prime, c'était Brésil, Mexique, Canada, États-Unis. OK. Mais après, je me dis, plus facile, c'est Brésil parce que je vais pas entrer dans la voie encombrée parce que tout le monde a entré au Mexique, dans l'époque là. Et puis, bon, mon partenaire me dit, les moi, ça n'a pas parlé parce que moi, ami, c'est noté Saint-Domingue ensemble. Et puis, je me dit, yo, pourquoi ça pas venir au Mexique plutôt, mais au monté que nous avons plus chance, plus que Brésil sous Brésil, c'est seulement Brésil au carité. Si vous êtes au Mexique, vous avez possibilité au cas où après au rebat 4 là, ou dit, on va rentrer aux États-Unis, dit États-Unis, au fil et Canada, tout ça. Mais moi, en réalité, est-ce que les États-Unis sont côté qui attire l'attention? Pas forcément. Ouais, ça m'a mis là. Pas forcément. Est-ce que c'est même couloir Nicaragua que tu as utilisé? Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai utilisé couloir Nicaragua parce que j'ai rendez-vous à l'ambassade Brésil, c'était le 26. Et puis, les partenaires parlent avec moi, nous parlons nous parler le 24. Et puis, moi, c'est 26. Monsieur fait un jeune honneur, monsieur dit, yo, ben, gars, comme là, vous venez, man. Et puis, moi, tout, j'ai un problème pour m'aller au Brésil, tout. J'ai dit, je ne parle pas portugais. Espagnol, là, j'ai un niveau là-dedans déjà. Voilà, c'est un premier bagage que j'ai. Exactement. Parce que j'ai un domaine espagnol là. Exactement. C'est une raison qui fait, j'ai une opportunité pour m'aller au Brésil. J'ai dit, mais il faut que je vienne au Mexique. Parce que je ne parle pas espagnol. Et moi, très adapté. Exactement. Par exemple, même au niveau d'espace là, je ne peux pas parler avec un Brésilien, c'est un peu compliqué pour moi. On a pris six mois pour commencer exactement. Par exemple, l'MDR République Dominicaine, c'est même partenaire, ça m'a parlé de là. Et dès qu'on a le match avec, inscrit l'école, tout ça, font pas qu'être barré pour moi en République Dominicaine. Quand on me dit qu'être pour moi aller au Brésil encore, j'ai besoin de monde qu'on soit encore tout. Et au Brésil, malheureusement, que Messi est cherché, j'aime bien qu'il y ait monde qui me connaît au Brésil. Chaque nègre qui me parle avec, me dit, non, jamais. Nègre qui est déjà à connexion ici, là. Bon, au Mexique, c'est pas que j'ai une grosse connexion, mais j'ai une Mexicaine qui me connaît, parce que je connais lancer business au Mexique déjà. Puisque je suis dropshipping, je fais business dans n'importe pays qui me veut. Je suis en train de une Mexicaine qui me connaît faire vidéo pour moi, pour business, pour me faire publicité ici au Mexique. Il y a exactement. Ok, quand on a l'arrivée ici au Mexique, qui différence vous fait entre l'autre vivre ni Haïti, ni République Dominicaine? Bon, mon cher, Fomzo, Mexique, est-ce que c'est ma deuxième caïmoin ou bien bon moi-même moi j'étais haïtien m'pa wal nan di OK ouais bah il go c'est les ba m'pa wal voyer Haïti j'étais mais si ici là au Mexique c'est comme si sentiment la caïmoin men comme ça m'zo là gère ba comme si gère ba ou supposé venir faire expérience en pito au lieu quitter mon avinzo par exemple l'on prend nouvelle sur Mexique on pas qu'être causé à dire de Mexique c'est totalement faux on comprend bien que moi-même l'aime venir Mexique parce que dans premier temps yo je ne vais pas descendre côté qui était haïtien vraiment, quand si je suis vraiment détaché des haïtiens, non sens. Et c'est qu'on a là, mais ici, ils font genre, rentrer dans côté qui est haïtien, tout ça. Parce que je suis dans une zone qui est pour l'enco. Je suis juste le rempartement dans une zone ça là. Bon, là, c'est pas impossible. C'est ça que manger tout, manger mexicain. Mais je participe dans un paquet de bail mexicain, m'aller en pile conférence, tout ça. C'est là, moi, la différence. Je dis, si je suis allé au Brésil, je dois montrer mon affiche conférence, je vais même connaître elle-même. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ici, là, moi, allé dans pas mal de conférences et puis moi, connecté avec quelques Mexicains et puis j'ai un tas de connexions. Ok, il y a un bagage qui est vraiment important, que là, au pot côté vini Mexique, il y a un paquet de bagages, autant de qu'on a dit des Mexiques, qui faut. Parce que il y a un peu de monde qui t'a vraiment intéressé qu'on ait version qui connaît des Mexiques là avec version qui vous-même vivre là. Qui différence, qui s'arrête qu'on dit, qui l'arrive, ouais, c'est pas vrai. Bon, mon cher, qui s'arrête qu'on dit, qu'on dit Mexique, toujours gain tubulence, c'est pas vrai, wash dans la rue, non? Okay.
comme si gen kidnapping vi retourner. Oui, gen tout pays gen ça. Par exemple, on l'aime songe dans la rue on samedi avec un monde et puis m'a regardé un dame qui dit yo kidnappé un petit lait. C'est dit gagne vraiment. Étant ici là. Étant ici à gagne vraiment. Mais un point exemple, si m'a fait un point exemple, bon font différence. Moi aller dans zone ici là, les mal dans classement zone qui gagne plus gangster dans le monde, c'est pas au Mexique non, dans le et pas Amérique tout non, dans le monde. OK. On zone qui est Tepito ici là. Il y a Tepito, c'est un quartier qui est vraiment dangereux. Son quartier qui est dangereux. Exactement. Son quartier qui est très mais dangereux. Mais c'est pas lui-même qui est dangereux dans le monde, là. Bon, Lyon, je pense que si on fait un classement de 10 côté 4, on dit si on fait un classement de 10 côté qui est dangereux, Tepito là donne. Dans le monde, Tepito là donne. Mais vous faites zone ça déjà? Oui, yeah, moi entré dans zone ça. Mais comment est-ce vraiment? Est-ce que le danger est dangereux, Jean-Mounio? Bon, mon cher, est-ce que le danger lui entre danger pas danger? Mais le danger quand même, parce que c'est la mal fait connaissance. M'a regardé tout le monde disant qu'il y a cocaïne, tout ça. Bon, ça nous évite de gros mots dans la vidéo. Ok. Yeah, il y a utilisé substance. Oui, m'a regardé tout le monde disant qu'il y a des drogues tête chargée. Yeah. Vous comprenez? So, ça veut dire qu'il y a un paquet. Il y a un paquet de bagailles. Mais ce n'est pas dans tout le Mexique là. Non, ce n'est pas dans tout le Mexique là. Où est-ce que y a un jeune qui vive et travaille au Mexique? Bon. Mon cher, il y a un jeune, ça va dépendre des capacités jeunes. Vous comprenez? Moi-même, je suis dis à Simboal, un jeune haïtien, rester au Mexique, je ne sais pas comment vous m'expliquez comment vous rester au Mexique. Vous comprenez ce que je dis là? Parce que, c'est comme des gars qui disent, perso n'a pas gagné avec dollars, vrai. Perso n'a pas gagné dollars. Moi-même, à force que je travaille en dollars, je rentre comme en dollars, je dépense en perso. Là, perso n'a pas gagné dollars. Les pibons pour moi. Mais on est qui, peut-être, qui ont famille, les besoins de gérer famille de Haïti, tout ça. Je ne peux pas dire arrêter au Mexique. Okay. Est-ce que c'est la principale raison qui fait, malgré le courant, tout le monde qui a rentré aux États-Unis, on décide de rester ici au Mexique? Bon, la principale raison, tout, parce que, il y en a qui a fait business en ligne, ils toujours voulaient gagner une bonne vie, et puis dépenser moins, pour dépenser moins l'argent pour bonne vie, ça. Par exemple, moi-même, quand je me développe là, les mêmes, c'est Bali, juste Indonésie, en Asie. Ça veut dire c'est là que mon vie allait, même malgré dans la zone ça. Vous comprenez? Même si je suis seul, je me dis qu'il faut que je réside dans ce pays en Amérique là. Si je cours à Haïti, si je cours pour Haïti, parce qu'on a un paquet de problèmes avec le passeport haïtien, un paquet de bagages, un paquet de café, je me dis bon, il faut que je réside dans son côté, sur le Brésil ou bien côté là, je descends et je me dis montrer là à moi. Ok. Et alors jusqu'à présent, comme on dit au Bali, c'est l'autre armée vive. Mexique pas destination finale ou? Non, bah, mais Mexique pas destination finale parce que, par exemple, pour ça que je me projet, parce que janvier, je suppose Brésil en janvier. C'est ça qui fait que je suis dans un petit temps qui vient là. Je vais commencer pour un petit bail dans le Portugais en attendant. Je vais arriver pour me faire bébé net. Je vais prendre deux ou trois petits bails. Je vais arriver. On m'organise. Alors, pensez vous à vivre Brésil ou bien à visiter Brésil? Bon, Brésil, pour question de faire business en ligne, Brésil avec Mexique, c'est des pays similaires, c'est des marchés similaires. Okay. Moi-même, pour exemple, pour le moment, là, je me touché au Brésil, au Mexique, puisque dernièrement, je lance un site internet au Mexique. Dans une semaine seulement, nous vendons pour 7000 pesos. C'est juste un test qu'on fait sur le marché pour essayer de garder. Okay. Vous comprenez? Par exemple, bon, il n'y a pas de paramètres, c'est des bails techniques et tout. Ben c'est que elle vient expliquer là les pas bien sens. On dit au Brésil tout, c'était presque même bas là. On a besoin par exemple ici, monio yo plus habitué payer dans Oxxo. On dit au compte ça Oxxo. C'est au Brésil, bon même bas tellement qu'on Oxxo Brésil tout. Gay Oxxo Brésil mais cependant monio au Brésil yo plus payer avec un système de paiement qui est le Boloto. On connaît c'est Boloto, on pas fin connaît portugais bien, pas connaît juste l'île Jamuel là, Boloto un par exemple pour gagner accès pour faire mon toucher pour gagner accès pour toucher son site internet pour vendre au Brésil, faut gagner Boloto. Robin Zamzola, faut pour aller essayer de faire résidence. Moi, je viens entre tous les deux pays pour faire business. Exactement, pour me faire business dans les deux. Parce que c'est deux marchés qui sont très normal, très bon. C'est même genre, un point exemple, quand il y a un jeune qui décide de faire business en ligne, il a juste levé faire business en brou, sans comprendre aucune raison. Un point exemple, ici, là au Mexique, moi, je n'ai pas tellement aimé payer avec carte bancaire, vraiment. Ça veut dire payer avec Mastercard, 4 Visa. Je n'ai pas tellement aimé payer comme ça. Je préfère faire transaction dans Oxxo. Il y a transaction. Oui, yeah. Moi, je plus aimé faire transaction dans Oxxo. Ou même, si vous vivez en dehors du Mexique, ou lancez un site internet, ou pas un système pour payer ou pas Oxxo, ou quitter un paquet de l'argent sur la table.
C'est de même tout au Brésil, moun yo utilise Boloto à tout. On pense que si m'bagay Boloto, mal lance son site internet au Brésil, m'ka quitte quitter paquet de l'argent sur table là. Okay. Pendant que site là, ou bien vous dites que plus que un an ici. Un an quelque alors, vous êtes adapté assez bien. Oui, tout à fait. Moi... Je dis à là, par rapport à la conjoncture politique qui vient dans les États-Unis, ou même en tant qu'un jeune qui choisit de rester ici là, qui pas traversé les États-Unis, qui conseil vous capable porter pour des jeunes qui sont en route là, qui sont qui déjà là, qui peuvent avoir accès à l'entrée? Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment rester vivre ici et puis jouer des opportunités, même à travers l'étude même? Bon. Ici au Mexique, j'ai que me comprendre, les que m'a annoncé des bureaux, on sait des processus qui m'a essayé de régulariser mes sites. Parce que l'université, c'est très facile pour m'en aller. Même comprends? Gratis même. Même gratis. Par exemple, gratis. Yeah, par exemple, plus gros université qui cite là au Mexique, université de l'État, bien que ce soit une université qui est difficile pour entrer quand même. Par exemple, moi, t'as parlé avec un Mexicain, l'aime me dit, moi, j'ai un ami Mexicain qui était dans l'université, ça. Il dit, il est étonné, il dit, oh! Et mes amis ont fort tout barré parce que son université vraiment fournit quel est baronné qui niveau pour gagner pour entrer, il est très difficile à entrer. Okay? Mais par contre, il y a des universités qui moi qui va même passer un test même pour entrer. Ouais, tout ça par exemple en République dominicaine, il y a une université qui fait un test, mais il y a une université qui pas fait test. Par exemple, comme MDA, il a été fait un test vraiment, mais c'est juste un test, il y a eu un bon résultat n'importe 4 mois. Laissez-moi entrer. Je vais commencer à composer même tout ça. Ça veut dire, pour moi, test là, c'est pas un bar qui était trop serré vraiment. Mais ça, on fait un test pour entrer. Mais c'est une université, tant qu'on parle avec Mexicain, je me suis dit comme ça que son université, il y a plus de monde en Europe qui sortit, vient faire cool là-dedans normalement. Allez-y, son université qui est toute nation parce qu'il y a Africain, tout ça. Alors, il y a une grosse communauté africaine ici. Est-ce qu'on va vivre pour compte ici ou bien en famille? Ah ouais, pour contre, moi, un célibataire, c'est... Non, yeah, pour vous petit pub là. Non, c'est pas que... Bon, oui, moi, pour contre, moi, je vis pour contre, moi, ici. Non, quand même, pour contre, moi, je relax. OK. Alors, faut-il parler de cailles, de vie? Parce que, moi, je pose une question ça à pile. À chaque fois que j'ai une opportunité de converser ensemble avec un monde qui a vécu ici, ou bien qui dépasse, je vous demande ça. Et, par exemple, vivre ici, puis appartement, louer appartement, comment ça est même? Bon, ici, pour jouer un appartement, pour un long appartement, il est facile, quand ça est difficile, tout, ça va dépendre des zones dont besoin. Tant que moi, il est plus facile pour moi pour me vivre Polanco. Bon, Polanco, son zone high level, ça va me dire là, ça veut dire son côté, hey, moi, des fois, je suis campé dans les balcons, je me dis, qu'est-ce que ça m'a fait là? $100 non? Je me dis, ça m'a fait là. Zone dans le level là, tu es en trop haut pour. Bon, c'est pas que le level là trop haut pour moi, parce que les membres de la Dominicaine, c'est toujours qu'on a. Faire des week-ends dans ces zones, pour prendre tout ça. Mais, comme si moi, je viens vraiment détacher de. Moi qui perds l'identité haïtienne. Moi, je me dis là, je me dis que ça va me chercher là-bas. Des fois, je vais essayer de contacter quelques partenaires. Je me dis, yo, dans qui zone où il y a, je me telle zone, après ça. Des fois, je me font venir, mais je me font checker les là. Après, je me tourne. Mais, franchement, je me dis, comme si des fois, lorsque c'est haïtien même, parfois, on a besoin de vivre à côté haïtien quand même. Ça fait que vous quittez Polanco, ou alors vous quittez zone yeah. Et puis, zone ça, vous êtes dans l'instabilité, tout, parce que, pour que ça me donne l'instabilité, c'est parce que c'était loué sous Airbnb. L'aime le sous Airbnb, il y a par exemple, quelqu'un qui prend appartement, obligé de checker l'autre appartement. Et Airbnb, souvent, on va quitter, faire plus que 2 mois là. Ah ouais, c'est ça, même ça existe, si l'autre monde qui prend tout ça, bon, on va quitter l'histoire. Obligé. À mouvre de temps en temps, pour moi, c'est pas de ça qui est trop important. Et puis, j'ai une équipe qui dit, moi, j'aime jouer dans un appartement pour tout ça. Bon, c'est pas un appartement, c'est une chambre. Parce que j'ai essayé de jouer dans un appartement, bon, ça n'a pas marché, mais j'ai juste laissé ça tomber. Et puis, moi, je vivre dans une chambre normalement. Soit, moi, j'ai espace, j'ai fait studio, tout ça, moi, dormi. Parce que pour moi, c'est ça qui est plus important. En tant qu'un web entrepreneur, c'est peut-être bureau pour le travail. Et puis, vous créez contenu, tout? Yeah, moi, créer contenu. Vous parlez de création de contenu, comment ça? Sur quelle plateforme vous êtes présent? Bon, moi, présent sur TikTok plus pour le moment. Et mes vidéos que je fais sur TikTok, quelque part, bon, bien que je me suis dit, discuter ça avec moi, je me suis dit, non, vidéo que je fais, oh, aller 3 euros, ça veut dire que vous ne pas gagner views. 3 euros, dans quel sens, par exemple? Ça veut dire que c'est trop. Vous parlez des domaines, non? On parle pas des domaines, non? Je me suis dit que je vais aller 3 euros. Mais, il m'a parlé de business online, m'a parlé 3 euros. Par exemple, dernière vidéo qui me postait là, m'a parlé de positionnement. Mais, il y a un monde, il y a une équipe, partage une vidéo qui dit, ouais, venez montrer comment faire un Mac, tout ça, mais qui pas parler de positionnement vraiment.
Et c'est ça qui fait que, bon, vidéo, ça, c'est que tout le monde qui est dans Leonard Show, je conseille de regarder vidéo ça, parce que son vidéo que me fait, sur TikTok, m'a peine à passer format ça, en format qui est un peu long. Nom sur TikTok, c'est Gessly Dorsiné. De vous taper Gessly Dorsiné, et puis, username, non, c'est Aubaz, Gessly, print, D. Alors, toute plateforme, j'aime bien comme ça. OK. Alors, vous créez contenu, et pour ça, vous avec web business. Web business. Mais est-ce que vous voyez vraiment que dans la communauté haïtienne, comme c'est encore le fait vidéo ça? Tout à fait. Ou qu'à briver sous des mondes, des mondes qui sont intéressés à entrer dans ce genre de business, ça, ou? Yeah. Moi-même, forme, je sais, c'est que, moi, t'as coup, partenaire, t'as parlé avec moi, m'sais dit, yo, vidéo, fais yo, get tel bagaille, tel bagaille. M'sais dit, c'est que je suis conscient, m'sais pas fait vidéo pour des mondes comme si, qui juste a débuté dans le business. Moi, juste voulais faire contenu pour des mondes, en question, qui ont business déjà, qui dit, waouh, ça, m'tendez là, m'tas supposé appliquer ça dans le business, moi. On comprend? C'est contrairement avec on sait de l'autre créateur de contenu qui est capable de regarder le téléphone qui dit venez montrer comment pour créer un Mac sur internet avec téléphone. Moi je dis à moi même ça son problème comment on est fait créer un Mac avec téléphone pour moi ça on dit difficile quand la question que me pose tête moi est-ce que m'obligé faire même contenu avec tout le monde juste pour me gagner views ou bien me supposer qu'un des valeurs, mais pas détruire qualité que me gagne. Mais on joue un monde qui est intéressé à type de. Non, mais c'est ça. Ah ben c'est ça même l'embraler parce que lit très intéressant pour moi, lit très bon pour moi parce que type de monde qui est intéressé avec contenu que me paye, c'est pas des monde que me bral prend base avec eux. Vous me dites ah non, sous besoin lancer son business, faut gagner l'argent, sous ceci, sous cela. Non, c'est des monde qui prêt pour mettre 3 000 à 4 000 dollars sur table juste pour faire un travail pour eux. On reprend somme de là pour accompagner. Un par exemple, il y a un monde qui déjà bon business. Qui peut-être a vendu pour 10 000 dollars déjà. Il n'y a pas de problème de dépenser 4 000 dollars juste pour la laisser faire 30 000. Okay, comment on est capable d'intégrer le business online et quel type de business, quels différents types de business qui sont online? Ok. Différents types de business qui sont online, qui sont paquet. Mais je pense que ça que je parle là, premièrement, on est supposé faire un business à cash flow. L'homme qui a un business à cash flow, son business pour lancer rapide. Et puis, pour qu'on fait l'argent, ça veut dire, on pas dépenser trop de l'argent. En l'occurrence, nous avons parlé de dropshipping. Dropshipping avec entre 300 à 700 dollars américains, on est capable de lancer un business en dropshipping. Alors, à part des connaissances, l'immédiat pour gagner connaissance, tout bien entendu. Donnons plus de détails. Qui est-ce qui dropshipping? Dropshipping. Ah, dropshipping, un point exemple. Moi-même, moi, c'est mettre business, moi, c'est mettre site internet là. Moi, créer un site internet. Parce que moi, ou même Léona, ou un site internet qui vend très bien sur internet là. Un par exemple, ou vend très bien aux États-Unis. Moi, ou un site internet pour là, parce que moi, j'ai des applications pour ça, pour moi, essayer espionner le monde qui l'a déjà eu. Moi, ou très bien. Et puis, dès que moi, ou a fonctionné très bien, et puis, je me dis, waouh, si Léona fait ça très bien aux États-Unis, pourquoi pas venir faire ça au Mexique? Alors, je ne pas faire concurrence directe ensemble avec vous, et me lancer au Mexique. OK? Dès que je me lance au Mexique, un par exemple, moi, j'ai un produit qui est capable de coûter, OK? Par exemple, produit que m'tab vend au Mexique, ici là au Mexique là, son produit que m'tab jeune en Chine qui coûtait environ 96 pesos mexicains pour le arriver ici au Mexique. Moi-même, moi t'ai vendu 249 pesos mexicains. Ça veut dire, moi fais publicité, les hommes m'ont monté, l'IPM comme ça. Moi-même, moi commande des produits à Kai chinois à voler. En Chine, et puis chinois avouent produit à Bali directement. Ça veut dire que n'importe pays, ça veut dire que produit non pas un produit du tout, non pas un produit. Ça c'est dropshipping. Ça c'est dropshipping. L'autre type de business, comment on peut faire online, par exemple. L'autre business qui on peut faire online encore, c'est peut-être affiliation. Pour moi, c'est des business qui pas demandent trop en pile effort pour faire. Vous comprenez? Affiliation. Excusez-moi. Gien pile moun k'ap gade nou la, c'est jargon n'ap pale, c'est chinois n'ap pale. Bon même moi même qui parle dans domaine là, pour expliquer ba yo la mon petit genre flou. Tout à fait. OK. Et parce que ça n'ta de faire une interview, ça c'est inviter moun yo sur plateforme moi en fait. Ouais, inviter moun yo sur plateforme dans ça c'est premier. Ni téléphone, ni façon que ka communiquer avec moun yo. Ba information pour moun yo ka prendre plus de détails dans main parce tout à fait. Je suspecte que nous ka faire une étant interview, c'est moun yo qui comprend ça n'a pas là. Tout à fait, tout à fait. Même penser pour moun yo plus c'est une question sujet business en ligne là. M'a conseillé aux jeunes formations, m'a capable partager le lien là avec vous, juste mettez en bas vidéo. Une formation qu'on va. Tout à fait. Moi une formation qui est totalement gratis qui fait dans 5 jours. Alors, premier jour, nous détaillons tout type de business qui gagne, que ce soit dropshipping, tout ça. Nous détaillons tout type de business. En deuxième jour, nous montrons comment on est capable de faire marketing sur Internet. OK. Deuxième jour, nous montrons comment pour jouer nos produits. Parce que, pour vendre, pour faire un business, il faut un produit.
Ça, c'est important. Il faut qu'on produise. Deuxième jour, nous montrer comment vous jouez nos produits. Mm-hmm. Troisième jour, nous montrer comment vous faites marketing. Et puis quatrième jour, en résumé, on va montrer comment vous faites club online. Comment vous faites club online? Online. Exactement. Parce que c'est ça qui a plus intéressé mon yo. Okay. Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, sous une vidéo dit, venez montrer comment vous faites club online, la plus facile pour attirer mon yo, qui leur dit venez montrer comment pour cette top, pour ceci, pour cela. Ouais. Moi même c'est là que me bave la léa, comme si me parle mais là parce que pour moi. C'est des publicités mensongères. On non, mais vous connaissez qui vous intéresse à faire comme même. Non, moi-même, mais ça passe. Donc, moi-même, je n'ai pas jamais de qui besoin de montrer mon dit, ah ouais, m'a fonctionné, je n'ai pas aimé ça. Okay. Par exemple, là, on fait un jeune ça, on dit comme ça que je dis, ah, un jeune qui aime non bureau comme ça là, qui dit, bon, là, ce n'est pas bureau, mais il y a accès là. Accès au payé là. Moi, je paye là. Ok. Mais un jeune qui peut-être, parce que premier business, premier site internet, c'était Haïti.md. Moi lancé lundi comme ça que moi j'ai screenshot moi. Qui ça était basé? Non, site internet que me d'avant en Angleterre, me dit en Haïti à l'époque. Ou Haïti ou m'a vendu en Angleterre. Ou fait quoi? M'a fait quoi bon m'a fait quoi mais c'est pas ton business qui était rentable. OK. Vous comprenez mais m'a fait quoi quand même. C'est parce que on dit comme ça que moi j'ai signal n'a comme normalement sous lui mais ou regarder dashboard moi j'étais environ 500 livres pounds comme ça l'argent Angleterre à livres okay. Pounds tout ça. Ouais, quand là pour quelle raison qui fait moi pas envie faire ça? On dit un jeune qui peut-être ouais nos positions m'a bien fonctionné juste en disant ouais mais c'est son ligne à faire tel bagage et puis nega boum les gros motivation qui monte vient journée alors là il besoin vient chita exactement sous chez ça vient faire vidéo mais avec ça prend temps pour être capable d'arriver stable faire comme sur internet là tout à fait son étape mais exactement m'a parlé là par exemple nega monter avec en motivation monter en pic et puis il lance son site internet là va marcher motivation commence à baisser. Après, le jeune, on l'autre nègre qui motive encore, lui tourner, relancer notre site internet, lui pas marcher encore. De suite, ensuite, motivation, lui parler parce que motivation, c'est comme des gars, ils ont dit, fait pas émaillé, et c'est ça qui fait moi-même, pas, on est qui a envie de monter sur internet, à foncer des vidéos, parler de motivation, tout ça, ça pas intéressé. Je préfère dire au monde, mais qui sont capables de faire tel bagage, et puis, ouais, que, mon business, ça t'est qu'à beau pour business, hein. Okay. Et puis, on applique le business, hein. Aussi simple que ça. Yeah. Vous comprenez? Mais, pour un monde faire business sur internet, pour moi, c'est discipline. Parce que discipline, non, c'est qui genre, je connais une femme faire 2 heures chaque jour pour me travailler sur business, moi. Que ce soit apprendre un bail de business, hein, ou bien créer un site internet, chercher produits, n'importe qui bail. Je connais une 2 heures pour me faire ça chaque jour. Moi, je fais ça chaque jour. Aussi simple que ça. Ok, mais est-ce que vous avez service tant que vous parlez de site internet, tant que si un client a besoin de site internet, il a besoin de faire une application, quelque chose, vous avez besoin de service ça auto. Bon, normalement, femme Joe, moins baili moins pas baili tout parce que nous pas ouvrir porte là pour tout le monde bien entendu et c'est différent ça qui gagne entre moi même ensemble avec on ces deux monde moi même pour me faire un site internet pour un monde faut que vous convainque moi ou son monde qui a un site internet ben c'est pendant faut que exactement parce que exactement parce que moi même pour sourire les mots pour faire site internet pour un tas de questions m'a posé pour qui ça un site internet qui soit pour le favel parce que ça pas servir en rien pour me faire un site internet pour vous. On dit moi touche un code mon site internet pour puis demain matin c'est un site c'est un site internet c'est même genre si mon yo gain local ça là yo pas juste parler de lui yo pas jamais dire rien sur lui. Qui m'en cap connaît, est-ce que m'en somme connaît que gon local là, m'ka vin louer, m'fait tout ça, m'paye l'argent? Non. Mais site internet là, c'est de même. C'est marketing là qui mène là. Exactement, voilà. C'est marketing là qui mène là. C'est tant que, gen moun kap convaincu pour faire un site internet, non mais, moi-même, faut convaincre pour me faire un site internet pour. C'est la différence là. Okay. Alors, c'est tant comme des gars, l'on va chercher une machine, l'on va chercher Ferrari. On convainc mon yo que ou besoin Ferrari. Il y a des principes tout pour. Il y a des principes pour exactement. Exactement. C'est ça que moi-même me dit pourquoi pas positionner me tant que Ferrari. C'est pas que me Ferrari, me pas dire Ferrari, mais positionner moi avec même stratégie Panex. Romain, c'est ça que tout monde que collaborer ensemble avec yo, yo j'ai autant de résultats. OK, il y a une question clé qui mon yo ta aimer connait. Minimum par exemple, un monde fin et faire une base dans le business online, combien de temps vous pensez que par mois comme ça dans le business là? Bon. Au minimum, au plus ou moins. On voilà. Va en somme et non. Non, mais minimum, je pense que le business en ligne, ça parle de pas des efforts que vous décidez de mettre pour travail, mais c'est facile à faire $1,000 par jour, par jour, c'est facile. Par jour, oui. Oh, mais yeah. Non, mais même $1,000 par jour, par exemple, chiffre d'affaires. Le fait chiffre d'affaires, mais pas oublier, si on fait dropshipping,
tout l'argent pas pour ou pas même si tu as tout l'argent pour ou pas gain produit ou on pas et c'est ça qui fait que moi sur tout à l'heure là moi plus voulais lancer des business qui apprend valeur non futur par exemple moi a lancé son business son application on dit application hein, moi dépenser $200 pour publicité OK gain 10 monde qui abonné avec application juste pour on dit pour $180 en exemple okay. Et si moi yo abonné avec application pour $180 pour moi ça moi dépenser $200 environ que me fait $180 comme chiffre d'affaires. Oh, si, en fait, en application, c'est pas chiffre d'affaires, c'est MER. OK? On dit que me fait ça. L'autre mois qui vient, me pas besoin de dépenser même comme ça encore pour moi joindre mon ça puisque c'est des monde qui abonné avec application. Est-ce que c'est logique là? Yeah, moi. Ça veut dire c'est juste prendre monde de temps en temps. Aussi OK. Et je pense que le moment arrivé pour que nous capable finaliser. Puis ah ouais, tout à fait. Interview à et je pense que c'est pas dernière fois n'a pas. Ouais, tout à fait. Ou bien possibilité tout nous ca prochaine fois nous ca faire visite sur. On va travailler dans studio. Dans studio tout à fait parce que travail. Ah bon, on a des espaces de travail ici là et puis dans la caille. Exactement. Et bien que dans toute interview on oublie pour poser journal boîte théa. Ouais, faut n'a pas passer prendre théa tout. Alors, merci en pile de ce que tu choisis. Ouais, nous ca juste à le prendre théa rapide avec Leonardo. Parce que nous apprenons et en conclusion, mm-hmm. Déjà, je félicite vous parce que ce n'est pas tout jeune qui vraiment lancé dans le genre de business. Oui, tout à fait. Et puis, nous avons été parce que nous avons ce qui est plus important, oui, c'est oui, juste oui. Lumière et lumière pour que. Oh, c'est pas. Oh, okay, voilà. Oui, exactement. Pour voilà, nous prendre un café, pour nous prendre Théo. Qui est-ce qui t'a demandé Théo? Oui, tout à fait. Juste pour Théo, c'est. Bon, alors, bonne pression depuis que je mets là-dedans, la tourelle. La c'est juste en c'est juste fait ça et puis me mettel voilà boum les aller aussi c'est que ça c'est okay. Pas gagné à faire encore que justement bon, parce que tu as nous pas boîte à en courir parce qu'il a fait la guerre là yeah, alors il a fait la guerre parce que Dolciné ou dit qu'on ça y a suivre sur TikTok yeah, tout le monde va suivre sur Instagram sur YouTube juste Guestly Dolciné ou bien Guest @ Guestly.d aussi simple que ça. Eh bien, alors, merci. Il me passe que dans l'autre occasion on a besoin de plus de détails sur affaires business online et dropshipping. À la prochaine. Tout à fait.